Bonjour, bienvenue dans la boîte à interview et le podcast qui tombe à pic. Aujourd'hui, un podcast qui tombe à pic tout à fait spécial puisque nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Et c'est un podcast dédié au slow sex et à l'amour en conscience avec nos deux invités d'honneur aujourd'hui que sont Anne et Jean-François Descombes. Anne et Jean-François, bonjour. 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 Et je suis accompagnée de mes deux chroniqueuses de chic et chic et charme et de choc. J'ai nommé Nathalie Lambois, auteure et formatrice spécialisée dans le Ho'oponopono et le Feng Shui, et Julie Sauvan-Hook, ma chroniqueuse qui tombe à pic, qui va nous faire une petite chronique après mon lancement. Anne et Jean-François, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast parce que c'est un jour vraiment spécial, Saint-Valentin. C'est aussi, alors, en off, avant de commencer le podcast, vous nous avez appris que c'était le jour de votre rencontre. Donc, je trouve ça incroyable qu'un jour de Saint-Valentin, on fasse ce podcast. Donc, c'est un jour dédié à l'amour et à l'amour en conscience, puisque vous êtes donc formateur, vous proposez des retraites d'amour en conscience et vous êtes l'auteur d'un livre que je recommande absolument qui s'appelle « Le slow sex ». Et comment aborder la sexualité en conscience et non plus comme on l'a souvent connu, la sexualité, on va dire, que vous appelez conventionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Comparer l'amour en conscience et l'amour et la sexualité conventionnelle. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Donc, je vais vous laisser vous présenter peut-être pour vous dire que vous vous expliquez votre parcours et comment vous êtes arrivée à proposer des retraites sur le slow sex, puisque vous vous êtes formée vous-même auprès de Diana Richardson. Vous avez fait de nombreuses retraites sur l'amour en conscience, justement, s'aimer autrement. Et ce que ça vous a apporté dans le couple, puisque ça fait 25 ans que vous êtes ensemble et que vous avez radicalement changé, je crois, votre façon de faire l'amour, entre guillemets, même si ce n'est pas entre guillemets, puisque c'est... C'est juste de faire l'amour, mais de faire l'amour d'une manière différente et savoir ce que ça a changé pour vous et pourquoi vous êtes venue à créer ces retraites sur l'amour en conscience. Donc, moi, ce que je dirais déjà pour me présenter, c'est que je crois que j'ai passé ma vie à chercher, chercher dans le monde de l'être. Au début, je ne savais pas trop ce que je cherchais. Je me suis peut-être pas mal égarée, mais j'ai toujours cherché au fond qui j'étais, qui je suis, qu'est-ce que je fais là. Et puis, donc ça fait 25 ans aujourd'hui qu'on s'est rencontrés avec Jean-François. Et je dirais que ça fait quoi, combien de temps qu'on a été chez Diana et Michael? Une quinzaine, un peu plus de 15 ans, 16-17 ans. Où on a fait notre première retraite avec Diana et Michael Richardson. Et pour moi, ça a été comme une révélation. C'était, mais tout ce qu'elle dit, je l'ai toujours su dedans, mais je n'ai jamais fait confiance. Je n'ai jamais cru que c'était vrai, puisque je me sentais toute seule avec ça, donc plutôt à me dire, je ne suis pas normale, quoi. Et donc, le fait que ce soit exposé, validé... Mis en mots. C'était une joie, une libération, c'était vraiment bon pour moi. Et puis, ben, aussi ce qu'on a vécu entre nous, c'est comme si on a vécu pendant ces 7 jours comment la sexualité pouvait créer du lien, de l'amour, quelque chose de tellement bon, quoi. Et voilà. Et après, donc, elle avait dit, si vous voulez enseigner ça, venez me voir. Et nous, on était un petit peu, moi je suis comme ça, je peux m'emballer, donc on était enthousiaste, donc on est allé la voir. Et elle nous a répondu, 5 years of solid making love. Donc, on n'a jamais su ce que c'était que « solid making love ». Mais quand même, on a... 5 ans de pratique, hein. Voilà. On en quand même... Assidu. Voilà, assidu. On a fait l'amour très régulièrement pendant ces années. Vraiment. C'est bien. C'était notre pratique, c'est-à-dire qu'on y consacrait du temps. Enfin, on organisait notre temps pour avoir du temps pour faire l'amour. Et ce n'est pas une formation, on ne s'est pas formé, hein. C'est pas des techniques, donc oui. On peut pas apprendre puis le lendemain matin on est formé. C'est un chemin, donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui change à l'intérieur, donc voilà, c'est les années qui font le travail, hein. C'est juste un jour on a suffisamment digéré la matière pour éventuellement pouvoir
la transmettre. Parce qu'en effet, si on transmet qu'on n'a pas intégré, ben on transmet une technique ou on transmet du vent. Et puis, ben, si on l'a vécu, on peut transmettre de l'intérieur. Ouais, et donc, chaque année, on retournait faire la retraite. Hein, c'était un peu comme nos vacances. On savait qu'on avait ces 7 jours qu'on plaçait quelque part dans l'année, qui étaient pour nous, vraiment. Et chaque fois qu'on y retournait, on entendait des choses différentes. On disait, ah, mais c'est ça qu'ils veulent dire. C'est comme si... Ou des choses qu'on n'avait même pas entendues. Hein, on leur disait, mais ça, vous ne l'avez jamais dit. Si, on le dit à chaque fois. Ah bon. Donc, voilà. Ah, mais comme quand l'élève est prêt, le maître arrive, en fait. Quand on est prêt à prendre l'information, on la reçoit. C'est ça, il faut avoir un peu expérimenté pour recevoir certaines informations. Oui. Et ça, on le voit très régulièrement. Hein. C'est vraiment un oignon qu'on pèle. La première fois, on entend ce qu'on peut entendre. La deuxième fois, on entend un peu plus. Et puis la troisième fois, encore plus. L'oignon, ça fait pleurer. Moi, je préfère l'image de l'artichaut. Quand on enlève les feuilles dures déjà à l'extérieur, et puis plus on va vers l'intérieur, plus c'est doux, plus c'est moelleux. Après, il reste plus les poils à enlever, mais pour aller vers le cœur. Ça va. J'ai découvert cette image-là de l'artichaut, et elle me plaît bien parce qu'en fait, un cœur d'artichaut, c'est tout doux, tout tendre. C'est vrai que l'extérieur, c'est rugueux, et c'est plus dur. Donc, à mesure qu'on va vers le cœur, ça s'attendrit. Julie, tu veux lancer ta chronique, peut-être ? Bien sûr. Alors, ça m'a été difficile d'écrire cette chronique. Oh my God, il m'est difficile de vous parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Comment voulez-vous que j'écrive une chronique sur le slow sex alors que je vis un désert sexuel et affectif ? D'une certaine manière, et surtout à ma manière, je pratique le slow sex puisque j'y vais lentement, très lentement, même dans la rencontre. J'ai bien conscience que je suis à contre-courant. À l'ère des applis de rencontre où tout va très vite, on consomme le sexe comme un menu fast-food, vite fait et pas toujours bien fait. Dans l'ouvrage de Anne et Jean-François Descombes, ils parlent de faire l'amour en pleine conscience. Ils prônent une philosophie du plaisir, l'art de prendre son temps, même dans la conversation. Faire l'amour en pleine conscience, c'est être dans le moment, celui d'avant et celui d'après. C'est décloisonner l'acte sexuel et l'assimiler à une intimité plus globale. Fini le diktat de la performance. Faire l'amour sous l'égide du slow sex signifie se caresser, s'embrasser tendrement, se dire les choses avec tendresse, comme une méditation à deux. À mon niveau, et pour la grande célibataire abstinente que je suis, je conseillerais donc de prendre aussi notre temps, un temps de qualité dans la rencontre de l'autre, de laisser la place au jeu de séduction, de prendre le temps de faire connaissance et de voir si l'autre partage les mêmes attentes, les mêmes valeurs, et de faire fi de la pulsion sensuelle, de calmer nos désirs ardents pour aller à la rencontre de l'autre. C'est aussi une façon de se rencontrer soi. Comme dit Sadhguru, l'amour n'est pas une transaction, c'est une certaine exubérance et douceur de vos émotions. À vous de juger, c'est aussi cela l'équilibre. Je laisse donc la place aux spécialistes pour qu'ils nous donnent les clés de cet amour conscient. Et bonne Saint-Valentin à tous. Merci Julie de ce partage. Alors, pour avoir lu et relu et re-relu votre livre et pour avoir mis en pratique le slow sex, je peux vous dire que ça change tout dans les relations sexuelles. Et vivre l'amour en conscience, on découvre de nouvelles choses. Je trouve que c'est l'éloge de la lenteur. Et l'éloge de la lenteur dans la sexualité, c'est quelque chose de magnifique parce que ça amène à quelque chose d'une puissance incroyable. Et moi, j'ai vraiment... je recommande ce livre, cet ouvrage. Alors, je n'ai encore pas eu l'occasion de faire une retraite, mais ça viendra. Mais Valérie, je veux te poser la question. Cette mise en pratique, tu l'as mise en place après la lecture du livre ou tu avais la sensation ou l'intuition de le faire avant ? Alors oui, c'était une très bonne question. J'avais l'intuition de faire avant, mais sans être sûre de ce que je faisais. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les besoins que j'avais, les envies que j'avais, étaient parfaitement en adéquation avec ce qui était écrit dans le livre tel que je l'ai lu. À entendre Anne parler, effectivement, c'était une intuition qu'elle avait aussi, une recherche personnelle qu'elle avait aussi d'aller vers autre chose. Moi, cette intuition, je l'avais.
J'essayais de le faire, mais ce n'était pas forcément verbalisé non plus. Toujours est-il que quand on est avec son partenaire amoureux et que l'on l'initie, qu'on l'amène vers cette autre façon de faire, cette autre façon d'être, ça change les choses. C'est perturbant, ça perturbe, je l'ai vu. Mais par contre, une fois qu'on a découvert cette autre façon de faire, on ne peut plus revenir en arrière, en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve de magique dans la lecture du livre et dans la mise en pratique. Et c'est vrai qu'il faut... plus dans la performance. Ce qui est important aussi, c'est de rencontrer aussi une personne qui soit ouverte, prête à faire cette expérience. Et parce que c'est l'inconnu, on a tous été conditionnés depuis très longtemps, depuis plusieurs générations, à mettre l'acte sexuel, soit de le rendre tabou, sale, soit de le rendre efficace, performant. Et du coup, de se dire qu'il y a encore une autre dimension, ça veut dire mettre tout ça de côté, tout ce qu'on nous a enseigné depuis longtemps. Et oui, il faut trouver la personne qui est prête, être près de soi et avoir une personne en face de soi qui est prête à entrer dans cette exploration. Dans cette danse. Et aussi, voilà. Se faire confiance. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'entends, c'est que les femmes, il y a quelque chose. Si on écoute notre corps, on sait. Mais au moment de suivre notre corps, puis de sortir un peu avec nos besoins profonds, si on lit quelqu'un qui nous dit bah oui, je suis pareil, et ben ça nous donne la force, la confiance, de dire mais oui, c'est légitime ces besoins. Et c'est comme si nos besoins, on est tout le temps en train de les évaluer par rapport à une sexualité conventionnelle qui n'est pas obligatoirement ce à quoi notre corps aspire. Donc et c'est pour ça que je crois beaucoup au fait que les femmes parlent ensemble, parce qu'on se donne après de la confiance, on se donne de... ah oui, mais je ne suis pas toute seule à ressentir ça, je ne suis pas toute seule à avoir envie de ça. Oui. Anne, vous disiez tout à l'heure en off, les femmes, où on était dans une génération de femmes, où on était plus dans le faire, et parce qu'on avait cette partie yang qu'on mettait très fortement et ancrée en nous. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Parce que c'est un peu mon cas, c'est vrai que cette part masculine, elle est plus présente dans mon quotidien. Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans un... Moi, j'inscris ça dans un historique, c'est qu'il y a vraiment eu une domination de la femme pendant des milliers d'années. Et en tout cas, en Occident, on est en train d'essayer d'en sortir. Mais la façon dont on en sort, c'est de rechercher... une égalité factuelle, c'est-à-dire on veut faire les mêmes choses que l'homme et donc on se plie aux mêmes exigences. Hein. Et je pense que c'est une étape, hein, ça nous pousse beaucoup à faire, à se saisir, à se prendre en main, et on en est capable et on est en plus performante. Hein. Mais notre féminin profond qui préférerait peut-être des fois être dans un hamac et juste goûter le plaisir du soleil sur la peau, il en prend un peu un coup dans l'affaire. Donc voilà, moi je me dis c'est une étape historique, mais j'aimerais que un jour vraiment les femmes puissent être en contact avec leur féminin qui est quand même... Ça ne veut pas dire ne pas avoir ce masculin, il est très important, mais qu'il n'étouffe pas cette partie de nous qui aurait plus envie de fondre, de couler. Et peut-être que ce masculin qui est en train de ressortir chez les femmes va propulser le féminin qui est chez les hommes. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne, le yin et le yang s'équilibrent, et effectivement, le côté masculin que les femmes ont tendance de plus en plus à porter aujourd'hui va peut-être amener les hommes à rétablir l'équilibre en laissant parler leur part féminine. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-François. Je ne sais pas si... J'aurais pas mis ces mots-là, en tout cas. D'accord. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est, tous un petit peu prisonniers. Hein. Les hommes sont un petit peu prisonniers de la performance. Et les femmes, on n'a pas dit tout à l'heure, mais les femmes ont été tellement habituées, dressées, je dirais presque, hein, éduquées à
à faire que leurs plaisirs correspondent en fait aux envies de l'homme. Mmh. Hein? Et mmh. c'est pas du tout, c'est donc c'est là où elles ne s'écoutent pas pour faire plaisir à l'homme. Et nous, ben, dans nos retraites, c'est justement rétablir cet équilibre, c'est revenir dedans, revenir à soi. De quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que mon corps a besoin? Hein? Mmh. Et puis là, il y a tellement. C'est pas que c'est une autre façon de faire l'amour, c'est qu'il y a une infinité de possibilités qui s'ouvrent. Hein. On ouvre à 380 degrés au lieu de rester cantonné dans notre performance. Mmh. Et moi, je dis toujours aux hommes, c'est dans le corps de la femme qu'on fait l'amour. Donc, écoutons nos femmes. Mmh. Et c'est tellement précieux quand on écoute nos femmes. Là, vous parlez de la sensualité dans un couple établi, mais qu'est-ce que vous conseillerez aux hommes et aux femmes solo? Je ne sais pas. la même chose, mais c'est ça. Mais c'est l'histoire, c'est justement, c'est qu'on est tellement prisonnier de ce truc, on a tellement l'idée de ce que ça devrait être une bonne sexualité. Mmh. Et pour moi, la sexualité, c'est comment transformer la sexualité en amour. Donc, on parle pas de la même chose, pas tout à fait de la même chose. Nous, on parle d'amour et peut-être il y a des hommes qui veulent juste du sexe. Alors voilà, alors là, on est un peu dans. Ou des femmes aussi. Et des femmes aussi, oui. Beaucoup plus, il y a des fois. Beaucoup plus. J'ai une petite question, Jean-François, par rapport à ça. Est-ce que, comment Anne vous a amené à faire une retraite avec Diana Richardson finalement? Ça a pris 4 ans. Ah, voilà, c'est ça. Entre le moment où on a parlé pour la première fois et le moment où on l'a fait il y a eu 4 ans. Non, mais très clairement, j'y allais un petit peu en freinant des cas de fer, comme on dit. Ah, voilà, c'est vrai que c'est pour les femmes, une fois qu'elles retrouvent cette confiance en ce qu'elles sentent, parce qu'elles le savent, c'est facile. Et pour les hommes, ça remet beaucoup de choses en question parce qu'on est tellement prisonnier dans ce truc un peu performance, quoi, de sexualité. En plus, maintenant, avec le porno, c'est terrible. Hein, l'acte sexuel, c'est devenu un standard. Il faut faire comme dans le... Donc c'est vrai que l'homme est remis en question beaucoup plus profondément que la femme. Mais c'est tellement doux et c'est tellement beau. Et qu'est-ce que ça a changé, quels ont été les changements que ça a provoqué dans votre couple? Parce que ça a provoqué des changements. Et quels ont été ces changements que cela a initié de faire ces retraites et puis surtout de mettre en pratique, entre guillemets, j'aime pas trop le terme parce que du coup ça donne l'impression d'être qu'on soit dans le faire alors que justement tout ce que vous prenez c'est d'être dans l'être. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre relation de tous les jours? Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a eu un lien. Le lien s'est renforcé ou adouci, je ne sais pas comment dire ça. Et entre autres, par exemple, des moments où, par exemple, on est dans la cuisine, on ne fait rien de spécial, on dit, mais tu sens comme c'est bon, mais presque comme s'il y avait un liquide qui circulait entre nous. Et on est dans un quotidien totalement banal. Hein. Mais on le sent tous les deux et on dit... Au début, on s'est dit, mais ça a peut-être un rapport avec le fait qu'on a fait l'amour cet après-midi ou ce matin. Donc vraiment, cette espèce de flux, hein, je ne sais pas comment dire ça, qui circule entre nous et qu'on perçoit plus ou moins suivant les moments. Et puis, une chose vraiment importante, c'est que, peut-être pas les premiers mois, mais en tout cas assez vite, notre niveau d'agacement a vraiment baissé. C'est-à-dire que les problèmes ne sont pas résolus, hein, on aime bien dire ça. C'est-à-dire que Jean-François, il aime avoir beaucoup de choses, ça le rassure. Et moi, j'aimerais avoir une maison vide, ça me rassure. Ça, c'est pas résolu. Mais on va pas résoudre. Avant, ça nous rendait dingue. C'est-à-dire que moi, je voulais avoir ces choses, ça me rendait dingue. Et puis, ça faisait des conflits, des disputes et tout. Et puis maintenant, ben, les choses sont pareilles. Mais, je ne sais pas, on surfe. Tout est plus calme entre nous au niveau... Hein, la dispute est moins...
Donc, vous êtes prête à jaillir. Que si vous n'aviez pas pratiqué le slow sex, votre couple aurait certainement été en scission. Je pense qu'on serait plus ensemble, oui. D'accord. Mais en fait, c'est pas une pratique, c'est pas une technique, le slow sex. Non. Qu'est-ce que non. c'est exactement? Parce que depuis tout à l'heure, on en parle, ça donne envie, on veut savoir, mais qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, ce qui est à la base de l'approche, c'est le fait de ramener son attention à l'intérieur de soi et d'écouter ses sensations corporelles, d'écouter son cœur, plutôt que d'avoir l'attention, souvent quand on est dans le lien ou dans l'amour, notre attention est sur l'autre, on veut lui faire plaisir, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de vivre, on aimerait savoir, hein, l'attention est là. Et vraiment, toujours ramener l'attention dedans, qu'est-ce que je sens? Je fais confiance à ce que je sens, je suis mes besoins, et ça suffit. J'ai même pas besoin vraiment de m'occuper de l'autre. Si je m'occupe profondément de moi, dans la transparence vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que je lui dis, tu sais, là, tout d'un coup, je sens ça, voilà. Dans cette espèce d'intégrité avec soi, il y a quelque chose de la relation qui circule autrement. Donc, c'est la qualité de l'instant d'avant et d'après. Ce n'est pas que l'instant de l'acte en lui-même, dans le slow sex. Non, c'est pendant l'acte sexuel d'être branché à son corps plutôt que d'être branché au corps de l'autre. Ah ouais. D'avoir son attention en soi et d'écouter ce qui veut ce corps. Où est-ce que c'est bon? Hein, il y a souvent on a l'attention sur l'autre. Moi, je le dis différemment. Moi, je dis les corps savent faire l'amour. Ouais. Et normalement, ce qu'on fait, c'est que c'est la tête qui fait l'amour parce qu'elle veut aller quelque part. C'est et ça. Si on arrive à juste écouter les corps, mais c'est ce que tu as dit, Anne, écouter, revenir à l'intérieur, écouter les corps savent tellement bien aller chacun leur rythme ensemble, trouver un rythme commun et puis ça va. Et ça passe aussi beaucoup par la respiration, parce que vous expliquez bien dans le livre la respiration et puis les portes d'entrée de chacun, puisque hommes-femmes ont chacun leur polarité. Ah, et hommes-femmes, chacun a sa polarité. Et vous expliquez aussi que chacun a sa porte d'entrée. Et c'est important de respecter aussi ce parcours, enfin, cette notion-là. Est-ce que vous pourriez expliquer effectivement les polarités hommes-femmes et où se passe la porte d'entrée de l'un et de l'autre? Enfin, comment l'un peut accéder à l'autre et vice-versa? Ce qu'on peut dire, c'est que... Donc, on est deux forces, hein, l'homme et la femme, qui sont en fait opposées et donc complémentaires. Oui. Hein. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'homme, c'est une force d'émission. Hein. Et ça se traduit au niveau de son pénis. Son pénis a vraiment une forme d'émetteur, il émet de l'énergie. Et la femme, on est une force de réceptivité, et ça se traduit au niveau de notre vagin, qui est vraiment une grotte, un centre d'accueil. On peut dire qu'en Occident, on est au clair sur le fait que la force dynamique est une force, mais on n'est pas au clair sur le fait que la réceptivité, l'accueil, l'hospitalité est aussi une force. Égale, mais juste opposée. Et l'idée, c'est de nous rétablir dans nos polarités pour que, assez spontanément, l'énergie circule, c'est-à-dire que l'énergie que émet le pénis puisse être reçue par le vagin. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la femme, on prend pas le temps de vraiment s'ouvrir à notre énergie d'absorption. Et ça, le fait que la femme devienne absorbante, hein, c'est une forme de désir, hein, on pourrait dire désirante. Je pense que c'est de ce désir-là dont parle Flammenbaum. Mais dans le désir, nous, on peut avoir une autre vision du désir. Des fois, le désir, il est pointu, c'est vouloir aller quelque part. Hein. Je ne sais pas si vous... Il y a une différence pour moi entre désirer, c'est quelque chose qui aspire à, hein, et ça pour moi c'est ce fait qu'on s'ouvre à notre féminin qui aspire à, et le fait de vouloir aller quelque part avec le désir, de pousser le plaisir quelque part, ça c'est pour moi très masculin.
hein, très dirigée. Et la porte d'entrée chez la femme, ça passe par les seins. C'est ça. C'est que pour pouvoir, les femmes, pour s'ouvrir à notre énergie féminine, à cette absorption, ça demande du temps. Le corps n'est pas tout de suite prêt. Et souvent, on ne se donne pas ce temps. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, mais lui, il est prêt, moi, je ne suis pas prête. » Et on se dit, la phrase clé des femmes, c'est « Il y a quelque chose qui cloche avec moi. Je ne suis pas normale. Je devrais être prête alors que je ne suis pas prête. » Qui c'est qui s'est déjà dit ça, hein? Donc, non, on est fait différemment de l'homme et on a ce besoin de temps. Et c'est bien de se légitimer dans ce besoin de temps. C'est lié à notre organisme, à notre biologie. Et puis la porte d'entrée souvent c'est que comme on plaque le fonctionnement du corps de l'homme sur la femme, l'entrée on pense que c'est clitoris et vagin, et donc on vient stimuler le clitoris de la femme pour l'éveiller à son énergie sexuelle. Et en fait le clitoris, bien sûr il amène du plaisir, il peut amener la femme à l'orgasme, mais il n'éveille pas l'énergie féminine. Au contraire, il accentue le côté plus masculin, hein, de la sexualité. Et vraiment, pour trouver cette force d'absorption en nous, la porte d'entrée, c'est nos seins. Et ça veut dire sentir nos seins et pas les stimuler, mais prendre le temps de les aimer, d'être dedans, de fondre. Et notre homme peut nous aider à ça. Mais pas dans un esprit de stimulation, dans un esprit en la caresse. Hein, la volupté, fondre, voilà, volupté, fondre dedans. Et là, le vagin s'ouvre. Au bout d'un moment, le vagin s'ouvre. Hein, ça prend plus ou moins de temps suivant notre histoire, mais le vagin s'ouvre. Et l'ouverture du vagin, c'est très différent de ce qui se passe dans le vagin quand on stimule le clitoris. Quand on stimule le clitoris, le vagin, effectivement, il va vouloir le pénis, mais dans quelque chose de très affamé un peu, il veut, il y a quelque chose de volontaire. Alors que dans l'ouverture qui se produit quand on met l'attention dans ses seins, c'est quelque chose d'une ouverture justement, qui n'est pas quelque chose qui veut, mais plus quelque chose qui est prêt. Et je pense qu'on a toutes senti ça dans notre vagin. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir été tellement stimulée sur le clitoris que j'avais presque mal dans le vagin, tellement le vagin veut le pénis que ça crée des tensions et j'avais presque mal. Donc, c'est bien que les femmes expérimentent les deux choses pour bien sentir la différence. C'est bien ce que vous expliquez parce que ça permet aussi aux femmes qui ont des problématiques dans les relations physiques, c'est-à-dire qui ont des douleurs, qui ont tout un tas de symptômes qui font qu'elles n'arrivent pas ou qu'elles n'arrivent plus à avoir des relations sexuelles. Et quand elles en parlent à leur médecin, ça reste hyper technique, hyper pratique, alors qu'en réalité, il y a toute cette dimension émotionnelle qui n'est jamais évoquée de la part de la médecine. Et la femme, comme vous disiez très bien tout à l'heure, c'est que qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien chez moi ? Peut-être ce qui ne fonctionne pas, c'est que le côté émotionnel et sensitif n'est pas écouté par le partenaire. Donc, ce n'est pas que la femme ne fonctionne pas bien, c'est qu'elle est, j'ai envie de dire, un terme terrible, mais qu'elle est mal utilisée, qu'elle n'est pas écoutée. C'est ça. Et pour l'homme, hein, parce que lorsque la femme s'écoute et puis qu'elle est vraiment prête, au moment de la pénétration, l'homme, il est tellement accueilli. Hein. Moi, ça me touche tellement en tant qu'homme, ça, je suis tellement touché d'être accueilli. Voilà, si on essaye de rentrer dans un vagin qui n'est pas prêt, c'est comme si on enfonce une porte fermée, hein, finalement. Ça veut dire, voilà, généralement ce qui se passe, c'est que ce que vous venez de dire, il y a des douleurs, c'est trop tôt, ça va trop vite, ça fait mal, on n'ose pas le dire, parce qu'évidemment, hein, il y a tout ça. Et quand c'est vraiment prêt, c'est tellement juste, hein, on est tellement accueilli que ça devient, après on ne veut plus que ça. Mais ça s'arrête, hein. Vous ne faites l'amour comme ça, alors ? Oui. Oui, oui, avec le temps, oui. Mais pendant, il y a eu donc, quand même des années. Dans les pulsions, vous faites comment quand il y a la pulsion ? Oh. On en a moins, on a un certain âge, on a plus 25 ans,
Non, mais c'est vrai, ça c'est sûr que ça fait aussi. Hein, c'est sûr que ça fait aussi. Moi, j'ai 70 ans, 71 même. Ah oui? Oui, quand même. Voilà. Vous ne le faites pas, effectivement. Je suis d'accord. Voilà. Mais aussi par rapport à la pulsion, moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, il y a une intensité de plaisir qui nous... Le conditionnement, c'est de bouger, c'est de le pousser plus loin, comme de l'exploiter, hein, cette intensité de plaisir. Hein. Et donc ça, c'est une option qui est un peu directionnelle. Et l'autre option, c'est rester avec cette sensation super intense et ne rien en faire et la laisser se diffuser dans tout le corps. Et c'est comme deux options, et je ne dis pas qu'il y en a une qui est bien, mais il y en a une où on est plus conditionné, c'est le fait de pousser, quand c'est bon, on pousse pour en avoir plus, hein. et de rien faire, juste comme se laisser recevoir ça, et voir où ça va. Et ça va plus loin. Hein. C'est ça, ça implose. Hein. Moi, je dirais aussi, des fois, ce qu'on veut, c'est aller à l'orgasme, hein, très clairement. Et puis après, on se sent un peu vidé, un peu triste, un peu seul. Mm-hmm. On l'entend tellement souvent. Hein, on a fait l'amour, c'était magnifique. Puis après, j'étais toute seule ou tout seul, puis je me sentais vidée comme ça. Et nous, on apprend vraiment une des règles, s'il y a des règles, il n'y a pas de règles, mais un des conseils, c'est regarder, écouter comment vous vous sentez après avoir fait l'amour. Hein. Des fois, on a eu l'impression que c'était incroyable, puis on ne se sent pas si bien que ça. Puis des fois, on a eu l'impression qu'il ne s'est rien passé et on se sent tellement nourri. Hein. Nourri différemment, nourri à l'intérieur, nourri. Donc voilà. Il y a un dialogue, une conversation qui se met en place après l'acte, c'est ça? J'ai pas compris. Pendant et après. Ah. Vraiment, une chose importante, c'est d'arriver à communiquer pendant l'acte. Alors, au début, les personnes sont un peu déstabilisées. On n'a pas l'habitude. Hein. Mais si on regarde bien, dans la sexualité, on met plein de choses sous le tapis. Mmh. Ou ça fait un petit peu mal, mais je le dis pas. Oh, j'aurais besoin de plus de temps, mais je ne le demande pas. Oh, et on met sous le tapis, ou bien, oh, il a ça. Et le fait d'être transparent dans la sexualité, ça change déjà tout. Et quand on dit, c'est pas se mettre à discuter pendant qu'on fait l'amour, ça, c'est... pas le faire. Hein. Mais de nommer ce qu'on ressent dans les sensations physiques et dans le cœur. Hein. Et le fait de nommer en temps réel, ça a un grand impact. Mais quelle est la différence entre le slow sex et le tantra? Alors, c'est sûr que Diana, elle parle souvent de sexualité tantrique. Hein. Et ces apports théoriques, ils viennent des textes tantriques. Hein. Ce que je dirais, c'est que nous, on a beaucoup hésité quand on a traduit la retraite en français, puis qu'on a commencé à faire notre site et commencé à faire notre com, de savoir est-ce qu'on prenait le mot tantra ou pas. Et on a fait tous les deux pas mal de tantra. Et pour nous, le tantra, pour moi, une grande différence de cette approche et du tantra auquel j'étais habituée, c'est que le tantra que j'ai vécu, c'était, on déplace un peu les choses, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la sexualité totalement conventionnelle, mais on est encore dans cette recherche du pic. Alors le pic est plus subtil, mais on est encore en train de chercher quelque chose. Et on aime que ce soit formidable, tout ça. Et on est dans la recherche de quelque chose qui va nous... Et nous, vraiment, l'idée, c'est qu'on écoute le corps et on suit le corps et on va avec lui et on ne sait pas où il veut aller. Donc, c'est comme un chemin à l'inverse. Et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi le mot tantra.
Mais il y a plein de données qui sont proches du tantra et plein de gens qui font du tantra un peu comme nous on fait du slow sex, hein, c'est simplement. Vous faites des retraites slow sex. Concrètement, pratiquement, comment c'est organisé, comment ça se passe? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, on est dans un lieu en France, entre Lyon et Genève, un lieu qui est un petit peu, qui est vraiment dans la nature. C'est le bout de la route s'arrête là. Et ça, c'est, les couples nous disent toujours combien c'est précieux d'avoir ce coin de nature où on peut se poser 7 jours. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que donc chaque couple a sa chambre avec un grand lit. Ça, c'est une pièce capitale du bon. Et moi, j'aime bien dire qu'il y a 3 pôles c'est autour lesquels les journées s'articulent. C'est dans la salle, un pôle où on guide un travail sur le corps pour plus sentir le corps. En fait, on essaye de ramener l'attention à l'intérieur, mais en donnant du soutien avec nos propositions pour que les personnes, peu à peu, viennent à l'intérieur sentir ce corps, ses pieds, ce bassin. Voilà. Et amener de la détente aussi dans le corps. Et déjà ça, c'est révolutionnaire parce qu'on a tellement entendu aussi, mais c'est la première fois de ma vie que je me suis aperçu que j'avais un corps. C'est incroyable, hein? Non, mais on fonctionne tellement là-haut, le corps, il n'a qu'à suivre. Hein? Et puis pour moi, c'est tellement la base, revenir à l'intérieur, revenir dans ce corps. C'est ce qui fait la profondeur du changement. Et vraiment, moi, je me rappelle d'un homme d'une 50aine d'années qui dit « Mais c'est la première fois que je suis dans mon corps. » Mes pieds sur le sol, le soleil sur ma peau. Et il était comme un enfant. Vraiment, il y avait une pureté de sa découverte. Tout d'un coup, il était dans son proprioceptif. C'était magnifique, quoi. Et c'était complètement nouveau pour lui, quoi. Donc vous organisez essentiellement des retraites de couple établies. Et tout à l'heure, j'ai compris que vous, Anne, organisez aussi des retraites de femmes, d'hommes aussi. Non, et alors, vous faites des retraites de personnes solo pour se rencontrer. Non. Alors, non, on fait des retraites pour couples établis. D'accord. Donc ça, voilà. Et puis, on fait aussi, moi je fais aussi des stages femmes pour donner aux femmes plus de confiance dans leur corps et puis plus de compréhension de leur corps aussi. Et bien sûr, pour stabiliser le fait d'être dans son corps plutôt que poussé par le mental. Et donc je disais, il y a ce pôle corps dans la retraite, il y a un pôle où on est dans la salle aussi et on parle de sexualité. Donc chaque jour on amène des éléments sur la sexualité, comme si chaque jour on mettait une pièce du puzzle. Et puis la partie la plus importante, c'est que les couples ont du temps pour être dans leur chambre, dans l'intimité. Et ce n'est pas qu'on leur donne des exercices à faire du tout, mais leur sensation corporelle est en train de changer, leur vision de la sexualité change, et donc ça fait que la façon dont ils se rencontrent change. Mais ce n'est pas qu'on dit « il faut faire ci, il faut faire ça », pas du tout. Hein. Et bien sûr, il y a aussi des moments de feedback, de retour, hein, où c'est intéressant si les participants parlent, mais il y a aussi les participants qui ne parlent pas de la semaine, puis ça va très bien. Hein. On est, en général, on a 12 couples, 10 ou 12 couples, donc entre 20 et 24 personnes, et il y en a toujours assez qui parlent pour qu'il y ait une richesse là, humaine qui se Ils ont quel âge à peu près, les gens qui viennent vous voir? Alors, le gros des troupes, c'est des 40-60, donc, et puis un petit peu moins dans la trentaine, la soixantaine, et puis après dans la vingtaine et 70, c'est encore moins. Par rapport à ces couples justement qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a des couples qui sont un peu en fin de vie de couple, enfin qui se disent que peut-être de faire une retraite avec vous, ça donnerait un nouvel élan? Est-ce que vous avez ce cas de figure? On en a tellement. On a un peu tous les cas de figure, mais on a souvent ce cas de figure de dire... On est ensemble depuis 20 ans, 30 ans, on s'aime, on partage plein de choses, donc le cœur est là, mais la sexualité,
elle est en berne, quoi. On n'a plus de sexualité, mais même certains n'ont plus de sexualité depuis une dizaine d'années. Et avec cette conscience que quand même, c'est important, la sexualité. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui viennent pas, qui sont dans cette situation, mais qui ne viennent pas faire la retraite parce qu'ils pensent que ce n'est pas si important que ça. Ils pensent que c'est mort aussi, peut-être. Donc, voilà. Oui, qu'on ne peut rien y faire, quoi. Alors que les couples qui viennent, ça veut dire qu'ils disent, mais quand même, ça doit être important, c'est important cette sexualité, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Donc, et puis, mais on a aussi des couples qui sont des familles reconstituées, donc chacun a été en couple, ont eu des enfants, là, là, là. Et on a eu un couple, entre autres, ils se sont inscrits à la retraite, ça faisait un mois qu'ils étaient ensemble. Ouais. Ils ont fait la retraite, ça faisait 3 mois qu'ils étaient, ou 4 mois qu'ils étaient ensemble, et ils nous ont dit, on est tellement contents d'avoir fait ça, parce qu'on sait que si on faisait pareil, si on faisait rien, on allait droit dans le mur. Donc il y a une conscience que si on ne réinvente pas la sexualité, on ne va pas y arriver à refaire un couple durable. Et est-ce que le contraire se produit ? Est-ce que le contraire se produit ? C'est-à-dire un couple qui s'efforce à rester ensemble pour les enfants, pour autre chose, viennent à votre place, se rendent compte qu'ils ne sont plus faits l'un pour l'autre. On a eu, ça existe. On a des couples qui se sont séparés, mais on a aussi des couples qui viennent en disant c'est la dernière chose qu'on fait ensemble. Donc, c'est comme, et ils sont toujours ensemble. Et 10 ans après, ils sont toujours ensemble. Mais c'est ça. Séparation, vous pouvez donc aider à faire une séparation plus en douceur. Alors. Oui, ça tout à fait. En tout cas, plus en conscience. Mais surtout, il y a tellement de choses non dites dans le couple, hein, dans la sexualité surtout. Et puis là, comme on ouvre les portes, tout à coup, il y a tout qui s'ouvre. Hein. Donc, on commence à partager, on commence. En fait, ça aussi, on l'a tellement vu, on a l'impression que c'est plus le même homme, mais que c'est plus la même femme. C'est comme c'est une nouvelle histoire parce que le niveau est tellement différent de ce qu'on connaissait avant. Le niveau de dialogue change. Le niveau de dialogue, le niveau de rencontre, etc. Ouais. On a un homme, il était merveilleux, il n'avait rien dit de toute la retraite. Et puis à la fin, il a dit, ici, donc il avait la quarantaine, ici j'ai appris à faire l'amour, avant j'étais dans la baise. C'est beau, hein. Puis j'aimerais rajouter un truc parce que donc dans cette semaine, nous on pose aussi un cadre très clair, c'est-à-dire il n'y a aucune sexualité dans la salle, il n'y a aucune nudité dans la salle. Les gens viennent en couple, ils restent en couple et ils repartent en couple. Ça veut dire que toutes les propositions qu'on a deux, c'est toujours dans le couple. Il n'y a aucun mélange, aucune proposition. Oui, il n'y a pas d'échangisme, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment cultiver le couple, respecter le couple et puis lui permettre de fleurir là où il doit. L'idée de notre cadre aussi, c'est de créer de la sécurité pour que chacun puisse se détendre. Puisque au bout du compte, ce qu'on pourrait dire, c'est que cette sexualité, c'est faire l'amour de façon plus détendue. Donc, et une des conditions de la détente, c'est le sentiment. Et Anne, qu'est-ce qui vous a amené à ça alors, après ce désir de sensualité, d'explorer des choses qui vous a amené au slow sex, d'aller vers La vie, les hasards de la vie, je dirais. Hein, moi, je dirais, il y a beaucoup de femmes, comme on le disait tout à l'heure, qui disent, mais la sexualité, ça ne peut pas être que ça. Il doit y avoir autre chose. Oui. Et Diana Richardson, son cheminement, c'est vraiment pour ça. Elle dit, mais la sexualité, il doit y avoir autre chose. Et elle a vraiment cherché. À l'époque, elle ne voulait pas enseigner rien du tout. Elle faisait ça pour elle parce qu'elle disait, mais ça ne doit pas être ça, faire l'amour. Ça ne doit pas être que ça. Et donc, elle a cherché avec des partenaires. Et puis peu à peu, c'était tellement précieux qu'elle a commencé à transmettre ce qu'elle trouvait. Et c'est impressionnant parce que donc Diana et Michael, ils donnent toujours des retraites, hein, toujours, ils sont toujours actifs. Ils donnent 5 retraites par année avec 33 couples chaque fois. C'est énorme. Hein. Ils ouvrent les inscriptions le 14 septembre. Le 16 septembre, tout est plat.
Il y a une demande. Il y a une demande. C'est comme finalement mettre la lumière dans un domaine où il y a eu tellement de malentendus, d'obscurité, de non-dits, de voilà. Dans ces cas-là, vous répondez vraiment à une demande de qui est vraiment besoin. Oui, mais je crois. Quand j'ai lu votre livre, je me suis arrêtée sur le titre et je me suis rendu compte de quelque chose. Quand vous parlez de slow, c'est vrai qu'il n'y a plus de slow. Dans n'importe quelle soirée, on ne passe plus de slow. Et en lisant votre titre, je me dis, c'est vrai, c'est dingue, on ne danse plus à deux. C'est plus automatique. Rien que ça, vous répondez à une demande et à une question qui fait qu'il faudrait peut-être remettre du slow dans tout. Dans votre ouvrage, j'aimerais profiter aussi également d'une thématique que vous abordez, que c'est que la sexualité, telle que vous la prenez avec l'amour en conscience, est un espace de guérison aussi pour les deux. C'est-à-dire que le fait de se fondre l'un dans l'autre amène à une guérison des blessures du passé. J'aimerais que vous en parliez. C'est touchant. Chacun, énergétiquement, nous sommes chargés de nos relations, sexuelles passées, de nos histoires passées, de nos blessures d'âme, de nos blessures corporelles. En quoi cet amour en conscience, ce slow sex, amène-t-il cet espace de guérison? Oh là, il y a beaucoup, beaucoup à dire. On a le temps. Ce que je dirais, c'est que on vient de milliers d'années d'incompréhension autour de ce qu'est la sexualité. Et il y a eu beaucoup d'inconscience, ce que tu as dit, Nathalie, que la sexualité s'est considérée comme sale, donc on veut pas l'avoir, hein, mais au point que dans certaines familles, le père abuse de la fille et la mère ne veut pas voir, hein, et c'est pas rare, c'est très fréquent. Là, je viens de lire Muriel Salmona, quasiment chaque famille a son inceste quelque part, hein. Donc c'est pas, on est tous concernés, quoi. Et voilà, donc on a subi à cause de ces incompréhensions des choses qui correspondaient pas à ce à quoi notre corps avait envie, hein. Donc on a tous des blessures, et ces blessures, bien sûr, elles sont dans le psychisme, mais elles sont aussi inscrites dans le corps, dans les cellules, et pour les femmes en particulier dans le vagin, hein. Le vagin, c'est vraiment un réceptacle, donc il garde, hein, et c'est vrai que le fait de laisser le pénis et le vagin se rencontrer sans trop intervenir, sans trop vouloir, sans trop les utiliser, mais plus en les écoutant et en voyant où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils savent faire, de quoi ils ont envie, plus à leur service, hein, c'est comme on fait profil bas. Alors on voit qu'ils ont des choses à faire ensemble, hein. Et c'est vrai que la première fois qu'on sent un pénis qui pulse contre le vagin, et c'est pas l'homme qui bouge, c'est pas que l'homme est en train de faire quelque chose, c'est vraiment le pénis qui vient pulser contre les parois du vagin. Waouh, c'est complètement nouveau, parce que on est tellement habitué à ce que le pénis soit comme poussé par l'homme, par l'activité du bassin de l'homme, et c'est pas du tout la même rencontre au niveau des tissus, c'est pas la même sensation, ça nous rejoint pas pareil dans notre cœur, hein. Et voilà, et le fait de laisser plus les organes génitaux faire ce qu'ils ont à faire, alors il y a des mémoires qui peuvent se guérir, il y a des tensions qui sont inscrites dans les tissus qui peuvent se libérer, hein, et se nettoyer. C'est peut-être un acte qui permet justement de se rendre compte si oui ou non le processus de guérison est en cours. Et je parlais tout à l'heure des femmes qui souffrent pendant les relations. Oui. Et je pense que là, c'est important que les femmes prennent en considération le côté psychologique et de se faire accompagner dans ce domaine-là. Et que grâce au slow sex, elle puisse découvrir que voilà, la guérison est en cours et que le corps, il est en train de se réparer
à la fois au niveau psychologique et aussi physique, parce qu'effectivement, la mémoire cellulaire, elle est là par rapport à son histoire. C'est valable aussi chez les hommes, d'ailleurs. Et, chez les hommes aussi, bien évidemment. Et il y a aussi, comme on revient à l'intérieur, hein, tout ce travail de revenir à l'intérieur, ce voyage, c'est là, peu à peu, on met de la lumière dans la sexualité, hein, on ouvre des portes. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, et donc, tout ce qui a envie de se nettoyer remonte. Hein. Ça, nous, on le voit. Donc, et ça remonte. Donc, c'est là où c'est tellement guérissant, c'est-à-dire que mettre de l'amour dans notre sexualité, ça nous permet de guérir tellement de choses. Oui. Simplement parce qu'on ouvre. Oui. Anne-François, vous parlez de guérison, ça je l'entends, je comprends. Mais moi, en tant que maman, comment me conseillerez-vous de transmettre votre enseignement, d'en parler, pour que justement ils soient plus éclairés que nous et qu'ils commencent leur vie sexuelle autrement? Oui. Comment vous nous conseillerez d'en parler, de transmettre Alors nous, on dit, ils ont quel âge? Ah, mais moi, il est petit, hein, il a 6 ans. Il a 6 ans. Alors, bon, c'est un peu tôt, mais déjà de ne pas avoir de tabou. Mais après, pour les ados, ce qu'on dit toujours, les jeunes sont très prudes souvent. Hein. Ils veulent tout savoir, mais si on leur parle, ils ne veulent pas entendre. Il y a quelque chose comme ça. Une fois, on avait donné un séminaire avec des jeunes adultes, 18-24 ans. Au début, c'était le grand silence. Et puis, en fait, quand ils ont compris qu'ils pouvaient parler, ils voulaient tellement tout savoir. Hein, c'était magnifique. Et nous, notre conseil, c'est pour des ados, c'est de laisser traîner le bouquin sur la table. Vous verrez bien s'il bouge, s'il a changé de place ou pas. Et puis après, ils auront peut-être des questions. Et puis, à ce moment-là, on peut plus facilement en parler, des choses comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que la plus grande transmission, surtout avec les petits, c'est ce qu'on est. Oui. C'est si dans... donc je vous souhaite de rencontrer l'homme. L'homme. D'avoir la relation à laquelle vous aspirez. Hein. J'ai arrêté, j'ai abandonné. C'est dans une autre... Alors, intérieure. C'est quand on abandonne qu'il arrive. C'est se laisser trouver. Mais en tout cas, quand il y a quelque chose de doux entre le couple parental qui peut être une famille reconstituée, hein, les enfants ils sentent tout de suite. Hein. Et il y a une histoire assez rigolote, c'est des parents qui sont allés faire la retraite chez Diana. Ils reviennent, puis les enfants aiment assez bien comment c'est. Et au bout d'une année, c'est les enfants qui disent aux parents: ce serait pas le moment que vous retourniez faire cette retraite-là que vous aviez Non, histoire vraie. Hein. Donc les enfants, ils sentent tout et ils savent ce qui est bon pour eux. Et nous, on a aussi un couple qui revient chaque année maintenant. Et elle, la première fois qu'elle est revenue, elle nous a dit: moi, je reviens pour la douceur des 2 mois après. En famille, c'était tellement doux. Et ils ont 4 petits-enfants. Elle a dit: c'était tellement doux ce qui se passait dans la famille. Donc, elle vient à un couple sur la sexualité pour sa famille. J'ai une petite question par rapport à vos retraites. Vous accueillez des couples hétéros, mais est-ce que vous accueillez des couples homosexuels, hommes-femmes, femmes-femmes, hommes-hommes? Alors, on ne l'a jamais fait et je pense que ce ne serait pas top dans un groupe essentiellement hétérosexuel d'avoir un couple homosexuel. Par contre, moi, je le dis toujours, ça pourrait être super de faire un groupe work in progress, où vraiment on cherche ensemble, parce que nous, on n'a pas d'expérience homosexuelle, donc on n'a pas grand-chose à transmettre. Mais d'avoir des couples homo-femmes, homo-hommes, hétéros, et de savoir que c'est un groupe expérimental, un groupe... Et parce que c'est vrai qu'on a quelque chose à partager, mais après les couples homo doivent trier, repenser, ils doivent en fonction de leur expérience. Nous on dit tellement les organes génitaux masculins, féminins, le pénis, le vagin peuvent tellement se nourrir, et c'est sûr que quand on est 2 femmes ou 2 hommes,
Il n'y a plus cette complémentarité du pénis et du vagin. Donc, il faut tout réinventer. Mais tout le reste est absolument valable. Revenir à l'intérieur, arriver à dire ce qu'on sent, c'est sûr que c'est valable pour tout le monde. Donc, je pense que le travail se ferait tout à fait aussi. Et aussi, ne pas pousser le... Enfin, ne pas. Mais voir qu'est-ce que ça fait si je... Quand il y a du plaisir, plutôt que de le pousser pour aller quelque part, je le laisse... Je laisse venir. Tout ça, ça peut être expérimenté complètement. Oui, je pense que ce serait intéressant effectivement de faire un groupe avec des couples homo, puisque il pourrait peut-être apporter un plus aux couples hétéro. C'est ça. Mais que tout le monde soit prévenu, que ce soit. Oui, parce que même dans la pratique, je pense qu'il y a des choses que les couples homo font ou ont découvert ou découvrent avec le temps. Que les couples hétéros seraient peut-être contents de connaître et voilà, je pense que la dimension elle est autant importante parce que c'est pas nouveau l'homosexualité, c'est quelque chose qui avant nos civilisations, donc je pense qu'il y a à prendre quelque chose de vraiment sympa par rapport à ces couples là. Mais encore une fois, effectivement, je pense qu'Anne et Jean-François ont raison aussi, puisque eux ils ont leur expérience. Oui, ouais, c'est ça. Et effectivement, seules peut-être des personnes homosexuelles, hommes, femmes, ayant fait tracer un chemin similaire, pourraient peut-être aussi répondre différemment, ou mieux, ou en étant. Je pense que ça se compléterait tout à fait. Bon, mais maintenant, il existe déjà des groupes de tantra homosexuels. Hein. Donc, ça commence à exister. Parce que pendant un moment, ça n'existait pas. Donc maintenant, ça existe, je pense. Ben, voilà, et puis après, en effet, c'est vrai que ce n'est pas notre expérience. Donc on a... Oui, voilà, oui, c'est pour ça. J'ai une autre question à vous poser par rapport à votre ouvrage. Vous donnez, il y a plein de croquis, de positions. Et j'aimerais qu'on parle de tous les... Alors, le trauma ou les pannes sexuelles... Manque d'érection, éjaculation précoce, sécheresse pour les femmes. Enfin, voilà, j'aimerais que vous parliez de tout ce qui a trait à la sexualité et comment, avec justement avec le slow sex, comment on peut arriver à endiguer ces problématiques-là et comment en fait elles se résolvent d'elles-mêmes. Alors. La plus facile, c'est l'éjaculation précoce. Hein. L'éjaculation précoce, souvent, elle est liée au fait qu'on entretient un haut niveau d'excitation. Et donc, que l'homme éjacule avant qu'il le souhaite. Et en fait, comme là, on est dans une sexualité où le niveau d'excitation est beaucoup plus tranquille, hein, on aime bien nous parler de cool zone, on reste frais. C'est-à-dire que quand l'excitation est là, on ne la pousse pas plus, hein, comme j'ai dit, on la laisse. Et nous, on a vu un homme qui n'avait jamais pu rester très longtemps dans le vagin de sa femme sans éjaculer, et il a dit « Ah, mais j'ai passé une heure !» Voilà, c'était sa vie basculait. Tout d'un coup, il avait compris comment, plutôt que de pousser l'excitation, se détendre, Et tout d'un coup, il pouvait contenir son éjaculation beaucoup plus longtemps sans pratiquer tout ce contrôle qui est... Ça, c'est aussi une grande différence entre le slow sex et le tantra. C'est que dans certains tantras, on invite les hommes à contrôler leur éjaculation, c'est-à-dire à aller vers un assez haut niveau d'excitation, là où ils auraient envie d'éjaculer, et d'appliquer une technique pour contrôler l'éjaculation. Et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est de rester... dans une excitation plus tranquille où le sujet n'est pas là, hein, où il n'y a pas la question est-ce que je vais éjaculer, est-ce que je ne vais pas éjaculer, est-ce que... Donc ça, c'est sûrement le plus facile, enfin, comment dire, là où le sexe change vraiment la donne rapidement, l'éjaculation précoce. Oui, c'est sortir du contrôle et plus à l'écoute de ses ressentis, des émotions et... C'est certainement beaucoup moins stressant pour les deux à vivre que s'il y en a un qui doit être focus à contrôler techniquement comment ça doit se passer. Et là, le plaisir, il n'est plus aussi intense. En tout cas, il est Quelque part, contrôler son éjaculation, c'est encore à faire.
c'est encore une performance. C'est ça. Et ça met encore plus l'homme dans cette identité performatrice. C'est ça, c'est pour l'ego qui est mis en avant. Voilà. C'est l'ego qui est mis en avant, là. Voilà. On a envie d'être en contact avec l'être. Et si on contrôle l'éjaculation, c'est un faire de plus. L'être est encore plus loin. Et pour les hommes qui sont en manque d'érection, vous donnez aussi une technique, dire oui, que, alors, effectivement, pour nous, on peut. Pour nous, un pénis qui soit en érection ou pas, reste un émetteur d'énergie. Merci. Et puis en plus, ben, c'est sûr, ben, moi j'ai 71 ans, donc on voit bien, ça ne marche pas comme à 20 ans. Donc c'est sûr. Et donc pour nous, le fait de pouvoir mettre cet élément émetteur d'énergie et le récepteur d'énergie ensemble, qui est érection ou pas, c'est important. Parce qu'en plus, avec le temps, ils peuvent se réveiller l'un l'autre. Alors en effet, on montre une position qui permet de faire une pénétration sans érection. La position du ciseau, c'est ça ? C'est bien retenu. Voilà, la position du ciseau. Qui est qu'on trouve dans tous les bouquins de tantra, un peu partout, hein. C'est pas, on n'a rien inventé. Mais ce qui est peut-être différent, c'est, et moi je le vois pour moi, hein, c'est que des fois, ben, on a moins d'érection. Et puis, en fait, si on les met ensemble, et puis qu'on reste juste confiant, tranquille, ils se réveillent l'un l'autre. Hein. C'est comme si ça permet au vagin et au pénis de se retrouver, de se réveiller. Et puis quand il faut, ben, l'érection, elle vient. Parce que quand, en fait, c'est aussi quand la femme devient vraiment réceptive, hein, comme on parlait tout à l'heure, que c'est juste pour elle, elle devient une force. Et cette force, généralement, tire une érection. Et nous, vraiment, on voit combien c'est vrai. Des fois on dit aujourd'hui, hein. Et puis non, quand c'est juste, après ça vient. Et donc pour moi, c'est vraiment un message aussi. Il y a tellement d'hommes, je pense, je vois combien moi ça peut me toucher, hein. On n'a pas d'érection, on n'a plus d'érection, c'est difficile, ben, de dire aux hommes, mais il y a une possibilité, n'ayez pas peur, ne fuyez pas, il n'y a pas besoin de conduire grand. Ouais, bah alors ça, c'est une autre solution, mais c'est mauvais pour la santé. Dans ce que vous dites aussi, finalement, par ce que vous enseignez, vous expliquez que finalement, on peut arriver à s'en sortir tout seul. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans la sexualité conventionnelle, tout est très formaté. Hein, c'est comme l'homme, il doit avoir une érection. Quand il a une érection, il a peur de la perdre. Donc, il faut vite passer à la pénétration, les femmes. Donc, on dit oui, on n'est pas prête, parce que comme ça rassure l'homme. Et puis, après, on passe à la pénétration, on fait de la friction, hein, parce qu'il faut de la friction pour maintenir l'érection. Et puis, après, dès qu'il y a de la friction, ben, il y a cette peur pour l'homme d'éjaculer. Donc, il a encore un peu de tension liée à est-ce que je vais arriver à tenir jusqu'à ce que ma femme aille à l'orgasme. Parce que tout est formaté. Hein. Il faut mener la femme à l'orgasme avant d'éjaculer. Et puis, quand elle a eu son orgasme, j'ai le droit d'éjaculer. Enfin, j'exagère. Mais souvent, l'acte sexuel, il se balade dans ce carré. Hein. Et c'est très limité. Et c'est très... pression de performance pour l'homme, mais pour la femme aussi, parce qu'on dit oui à la pénétration alors qu'on n'est pas prête, qu'on aurait besoin de temps, et on fait comme ça des choses pour rassurer l'homme, on lui fait croire qu'on a du plaisir alors qu'on n'en a pas, parce que comme ça il est rassuré, etc., etc. Hein. Donc, le fait tout d'un coup d'ouvrir les choses, de dire « ouf, c'est pas ça faire l'amour, ça peut être autre chose », et puis d'être qui on est, c'est-à-dire d'être transparent avec ce qui se passe pour moi, ça me fait mal, je le dis. Et les femmes, vraiment, ne vous laissez pas faire mal au moment de la pénétration. Dites-le, demandez à l'homme de reculer, ce sera bien meilleur pour les deux. Parce que comment voulez-vous que l'homme il ait un vrai plaisir si vous avez mal ? C'est aberrant. Oui, c'est se respecter soi-même. Hein. Bien sûr. Et on fait l'amour dans le corps de la femme. Et bien sûr que si on est plus détendu, qu'on est moins dans l'excitation, ben, il se peut que l'érection, elle disparaisse. Même chez les hommes qui ont l'habitude d'avoir une érection. Donc pour certains hommes, on voit à la retraite, c'est complètement déstabilisant. Les jeunes qui ont toujours eu une érection, puis d'un coup, ils n'ont plus d'érection, là, ils sont
paniqué, mais panique à bord. Et voilà, et le fait de pouvoir faire cette pénétration sans érection, ah, ben, y a une autre façon de faire. On peut être en contact sans toute cette performance, sans tout ce... Et le corps sait s'il y a ou il n'y a pas l'érection, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est de faire confiance à son corps au lieu de faire confiance à sa tête, comme vous disiez tout à l'heure. Tout est là, en fait. Hein. Oui. C'est sortir du formatage sociétal et puis de ce qu'on voit sur Internet, parce que malheureusement, la pornographie, je crois que c'est pas loin de plus de 60% du trafic Internet. Hein. C'est lié à ça. Donc, il transmet une image complètement fausse de la sexualité, complètement transformée, qui n'a rien à voir avec la réalité, où c'est normalement un moment doux d'échange et voilà, où on peut guérir, comme vous l'expliquiez, ça c'est génial, et où on peut découvrir notre part sensible et la part sensible de l'autre. Et j'ai beaucoup aimé aussi la connexion, le fluide qui passe entre vous alors que vous êtes dans des moments complètement autre, ce que vous expliquiez au début lorsque vous étiez dans la cuisine et vous sentiez qu'entre vous il y avait quelque chose de différent. Et pour moi c'est ça, et c'est ça aussi la sexualité, c'est ce lien, cette connexion invisible, ramener plus de légèreté et de joie. Vous dites avec la sexualité, enfin l'amour en conscience, qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'orgasme, enfin que c'est pas une nécessité, enfin on n'est pas dans l'injonction de nécessité d'aller à l'orgasme. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'orgasme. Qu'en est-il, enfin, pour la femme, en tout cas, entre l'orgasme alors que je l'appelle vaginal et puis l'orgasme clitoridien, enfin, pour vous, vous faites un distinguo. Comment vous abordez ça, justement? Alors moi, je ne fais pas le distinguo vaginal clitoridien. Par contre, je fais le distinguo de qu'est-ce que vous avez fait pour aller à l'orgasme. Et dans certains cas, on y travaille un max, c'est-à-dire on crée beaucoup de tension dans le corps, on y va, on fait beaucoup de choses avec notre corps, beaucoup de friction, beaucoup de tension, beaucoup. Et souvent, au moment de la décharge de l'orgasme, il y a une partie de ces tensions qui sont déchargées, mais il y a encore une partie qui est là. Hein. Et certaines femmes, elles éclatent en sanglots après l'orgasme. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et pour moi, c'est lié à ça. C'est lié au fait qu'il faut décharger. Donc, comme l'orgasme n'a pas suffi, les sanglots, c'est une autre façon de décharger toute cette charge qu'on a mis en mouvement, enfin, qu'on a créé, qu'on a mis dans le corps. Et aussi, souvent, ben, on reste avec de la charge, puis on n'est pas si bien que ça après l'orgasme. Dès qu'on a eu un orgasme, mais moi, je sais que des fois, j'éveille tellement cette avidité en moi qu'il y a l'orgasme, mais l'avidité est toujours là. Je ne suis pas remplie. Et puis, d'autres fois, il y a des orgasmes où vous ne faites rien. Vous n'êtes pas particulièrement en train de le chercher. Tout d'un coup, ça arrive. Hein. Et quand ça arrive, c'est tout à fait une autre expérience et ça nourrit autrement. Hein. Donc, c'est plus qu'est-ce que j'ai fait pour aller à l'orgasme. Est-ce que j'y ai travaillé comme une dingue en créant beaucoup de tension dans mon corps? Ou bien est-ce que... Ben peut-être, hein, des fois, on fait un petit mouvement de bassin et bouf, on bascule dans l'orgasme. Il y a eu quand même un petit truc, mais très léger. Hein. Et donc, c'est plutôt ça. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour aller à l'orgasme et qu'est-ce que... avant. Oui, puis c'est ça qui fait une différence. Pour cette distinguo clitoridien-vaginal, à mon avis, c'est passé. Parce que maintenant, on sait hein, que le clitoris, ça, c'est deux branches. En fait, ils entourent le vagin, donc c'est clitoridien. Il y a des corps caverneux, comme dans le pénis. C'est l'organe sexuel. C'est les mêmes organes à la base qui se sont différenciés, mais il y a les mêmes composantes. Donc, en fait, ça veut moins dire. Hein. C'est sûr que le petit chapeau en haut qu'on appelle clitoris, mais maintenant on sait qu'il y a tout ce développement à l'intérieur avec les quatre branches qui descendent et puis qui entourent le vagin. Donc voilà. C'est... Quid du point G? Ah ben moi je pense que c'est ça aussi. Est-ce qu'il existe vraiment? Ça je peux pas vous dire.
moi, je n'ai pas une expérience personnelle très du point G, vraiment. Hein. Par contre, j'ai lu sur le point G. Diana, dans le slow sex pour les femmes, elle en parle un peu. Hein. Mais je ne saurais pas répondre, parce que moi, j'aime bien répondre depuis mon expérience personnelle. Oui, non, mais c'est pour ça que je pose la question, parce que voilà, ça fait partie des injonctions, en fait, pour moi, la recherche du point G, justement, pour aller vers ce plaisir maximum. Est-ce que, pour vous, ce n'est pas ce que vous appelez le jardin secret face... Pour moi, vraiment, le jardin de l'amour, ce qu'on appelle ses parties, jardin de l'amour, oui. C'est vraiment ce qui est toutes les profondeurs du vagin, ce qui est autour du col de l'utérus. Et c'est vrai que c'est un endroit particulier, hein, de réceptivité profonde. Je vois que nous approchons des 1h10. Est-ce que le, en questionnement pour venir se resolidifier auprès de vous, alors. Ah oui. Bah, en tout cas... un partenaire, là. Pour les couples, c'est super de faire cette retraite. On n'a pas de doute, hein, sur ça. Mais Julie, tu peux y aller en solo. Tu sais que tu peux aller faire une retraite avec... J'ai entendu, c'est pas mixte. On se retrouve avec d'autres femmes. Et voilà. Alors, peut-être que tu vas avoir une autre approche. Ouais. Oui, c'est pour se permettre... Que tu vas découvrir des choses de toi que tu ne connais pas. Disons que le stage femme permet vraiment de ressentir c'est quoi notre énergie féminine. Et c'est vrai que elle n'est pas valorisée dans le monde. C'est là où je repars avec une femme. Donc, Et le fait d'être entre femmes, et j'introduis toujours le stage en disant que souvent quand on est entre femmes, on cherche à montrer combien on est différente des autres femmes. Hein, on met l'accent sur ça. Et dans le stage, on met l'accent sur qu'est-ce qu'on a en commun. Hein, se poser la question, rester ouverte à découvrir qu'est-ce qu'on a en commun, les femmes. Et ça change déjà bien la donne. Hein. Et vraiment, ces stages femmes, c'est super beau. On découvre le féminin en soi. Mais on le découvre aussi en voyant les autres, parce que tout le monde change, parce que tout le monde revient plus à l'intérieur, prend plus le temps, on est en silence, donc on se dépose en soi-même, et il y a quelque chose qui fleurit, toutes les femmes fleurissent, et toutes les autres femmes le voient. Donc ça, c'est important à vivre. On a eu un témoignage super, la première fois qu'Anne a fait un stage femme, elle a reçu un mail un jour, deux jours après. Mais ce n'était pas d'une femme. C'était d'un compagnon d'une femme qui avait participé au stage. Oh ben je m'inscris tout de suite. Et cette femme disait, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on est amoureux comme il y a 18 ans, 30 ans au début de notre relation. Donc, voilà. Et il n'était pas là, lui. Lui, il n'était pas là. C'est elle qui est là. Elle avait fait un super travail et je pensais, elle avait reconnecté à son féminin, reconnecté à sa personnalité. Avec l'âge, le changement hormonal, etc., les femmes basculent dans l'énergie masculine, on va dire. Et donc, c'est ça qu'il faut retrouver à un moment donné, puisqu'on est dans une société qui nous masculinise aussi, où la femme doit être le boss, la battante, bref. Et donc, c'est de retrouver cette part-là. Mais je pense que de faire aussi ça pour les hommes serait intéressant, qu'ils leur permettent de retrouver leur part féminine, parce qu'on l'a tous. Et on est par contre dans une société qui met à mal cette énergie, qui la cache et qui la malmène quand elle est là. Donc, oui, de la retrouver et de lui permettre de s'exprimer librement, je pense que ça doit être vraiment superbe. En tout cas, vous m'avez donné envie d'aller vous retraire. Et derrière la petite histoire, cette femme, elle, à la fin d'un exercice, elle avait dit, mais d'une façon très détendue, j'ai fait l'amour avec moi-même. Et je pense que quand on commence à faire l'amour avec soi-même, on est plus à même de rencontrer un autre pour faire l'amour avec cet autre. Mais il y a déjà quelque chose à faire avec nous-mêmes qui est l'heure du faire d'ailleurs. Être en amour avec
Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui me vient et on va peut-être penser à clôturer parce que je vois que ça fait 1h15 que nous papotons. Le temps passe et file à grand train. Finalement, la question qui me vient, c'est donc les hommes viennent à la retraite en couple avec leur femme. Est-ce que finalement l'accès à l'amour en conscience, au slow sex, n'est pas aussi la porte d'entrée dans le développement personnel et le développement de soi pour les hommes? Est-ce que derrière, il n'y a pas des changements qui s'initient pour tous ces hommes qui peuvent être conditionnés par les dictats de la société, le patriarcat, les injonctions? On a vu de tout. On a vu des hommes qui avaient déjà tellement travaillé sur eux, puis qui arrivent à la retraite, puis qui sont enchantés, et qui disent aussi, la prof de méditation qui a vraiment consacré toute sa vie à la méditation, et tout d'un coup, 3-4 jours, il a dit, mais le sexe était toujours resté à part, et tout d'un coup, le sexe rentre et devient méditatif aussi. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est... Et puis, on a aussi vu des hommes qui n'ont jamais rien fait, qui viennent là parce qu'ils aiment leur femme, qui ont en général déjà fait un peu de développement personnel. Et entre autres, je me souviens d'un, il est revenu une année ou une année et demie après. Mais alors, entre-temps, il avait tout fait. Il avait tellement fait de stages de développement personnel. C'était un autre homme. C'était drôle. Donc, oui. Il y a des transformations. Après, ce n'est pas une porte. Il y en a tellement des portes. Oui, bien sûr. Il y a tellement de choses. Il y a les groupes hommes, il y a le Mankind Project. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Mais c'est vrai de nouveau, on met de la lumière dans notre sexualité. Et pour les hommes, ça peut être tellement déstabilisant au départ. Hein, avant qu'on trouve « Ah oui, d'accord hein, !» Puis après, on comprend. mais en effet, au départ, on a eu un homme qui nous a dit « Mais qui suis-je si je ne suis pas celui qui donne du plaisir hein ?» Vraiment, sexuel comme ça. Et bien, après, il a trouvé. Mais ça passait par une déconstruction. Oui, ça passe par une déconstruction. Donc, il y a un moment où on est un peu perdu. Voilà. Quand on déconstruit, il y a un moment où on est un peu... Et quand il y a des hommes qui viennent traîner par leur femme, entre guillemets, enfin, vraiment, est-ce qu'il y en a que vous voyez vraiment dire « Oui, je ne sais pas ce que je fais là ». Complètement. Ouais. Complètement. Mais en général, on en avait été comme ça. Comme ça, grand et tout. Et puis à la fin, il disait, mais on devrait apprendre ça dans les écoles. Comment ça se fait que dans les écoles bon. Julie, Nathalie, est-ce que vous avez une question complémentaire? Moi, j'ai juste à dire qu'il faut que je trouve un partenaire pour pratiquer. Toujours la même chose. J'en reviens toujours à la même chose, je suis désolée. Mais bon, en attendant, voilà. Je vais peut-être remettre les slows dans les discothèques. Oui. Nathalie, tu souhaites rajouter quelque chose? J'ai apprécié la transparence de Anne et Jean-François quant aux participants, tous les cas possibles que vous avez cités, c'est-à-dire que les gens ne vont pas là-bas et ressortent systématiquement complètement guéris, etc. Non, c'est vraiment une expérience et une belle expérience et j'ai apprécié que vous nous partagiez votre authenticité et l'authenticité de vos retraites. Vraiment, merci beaucoup. Et sérieusement, je vais réfléchir à cette retraite parce que c'est une belle découverte. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans le développement personnel, spirituel, etc. Et comme l'a dit un de vos participants, la méditation, oui, on connaît, mais on a complètement mis de côté la partie sexuelle, notre partie humaine, en fait. On y va tous les trois ensemble. Voilà. Je serais motivée, ce que vous êtes bien. Découvrir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je recommande évidemment à tous ceux qui regardent ce podcast l'ouvrage Le Slow Sex. On remettra le lien aussi, donc c'est amourenconscience.ch, c'est ça? Oui. Pour pouvoir. Il y a les deux, d'accord. Pour venir vous trouver, on mettra toutes vos coordonnées.
Je vous remercie infiniment de tous vos partages. Je vous recommande cet ouvrage. Plongez-vous dedans. C'est juste magique. Moi, ça a changé ma... Ça a conforté ce que j'avais l'intuition d'avoir et ça a changé, ma perception de la sexualité et ça a changé ma sexualité aussi. Ça l'a transformée. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, une magnifique Saint-Valentin et puis un bel anniversaire, 25 ans. Alors, c'est 25 ans, c'est quoi ? De rencontre. Oui, 25 ans de rencontre, mais c'est... Oui, c'est pas des noces. C'est un quart de siècle. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais dans les... quand on parle de noces de coton, de noces de soie. Ah, aucune idée. Aucune idée. Bon. En tout cas, savourez cette belle Saint-Valentin. Je suis sûre qu'elle sera très belle. Il fait un soleil magnifique. Juste un petit... Petite question. Vous êtes rencontrés le jour de la Saint-Valentin. Comment ? Racontez-nous votre rencontre. On va continuer le podcast alors. Moi, je faisais des stages tantra. J'avais fait une formation tantra. Et puis, on se revoyait par petits groupes régionaux, mais organisés entre nous. Et puis, Jean-François était venu à un de ces groupes. Par une amie, en fait, il était plutôt avec une autre femme à ce moment-là. voilà. Et puis voilà, on a discuté, et c'est marrant parce que la première discussion qu'on a eue, c'était sur l'engagement. Mmh. 25 ans après. voilà. Un bel engagement. Donc, une belle rencontre. Et un beau chemin. Voilà. Bravo, bon anniversaire. Oui, merci infiniment de ce temps que vous nous avez accordé, c'était précieux. Je suis sûre que tous nos auditeurs et spectateurs prendront beaucoup de plaisir à vous entendre, à vous écouter. Et je vous souhaite plein de belles retraites encore. Merci infiniment. Merci Julie. Bonne journée. Merci. Au revoir.